Salut, c'est Brun Chelsea. Aujourd'hui, on se retrouve pour l'étape numéro 6 de mon Tour de France avec l'équipe Sky et Mark Cavendish en pleine poursuite avec les échappés. Ils ont toujours 18 secondes d'avance avec à l'avant Kroon et Gilbert. Et vous voyez que Coppel est en train de prendre quasiment 1,20 par rapport au maillot jaune qui est Chris Froome. 16 secondes d'avance pour les échapper, 14, ah, ça diminue trop vite, je pense que ils n'auront pas la victoire. En tout cas moi je vais aller les chercher rapidement, comme ça après je pourrais me reposer. Donc Federico a été lâché par Kroon et Gilbert sur leur grosse accélération, et derrière ils s'en foutent, ils me laissent partir ou quoi? Parce que moi, ce qui m'importe, c'est que ils perdent pas de temps, Froome. Même sur des échappées, je m'en fous. Gilbert, il était cramé. Gilbert, il était cramoisi. Et Kroon aussi, d'ailleurs. Et ça y est, il n'y a plus d'équipier pour relayer. Donc ça veut dire que là, ça va être peace and love. Donc, protégez-moi. Oh non, pitié, back. Laisse-moi récupérer. Ah bah c'est bon, t'es trop cramé pour. Suis les attaques, Wiggins, et suis les attaques. Ah bah si, finalement, Greppel, il a quand même un train de sprint. Et moi, Vossenhagen, il est pas là. Allez, viens, mon petit Edvald. Come to me. Voilà. Tout doucement, tout doucement, tout doucement, on relaye. On n'y va pas fort. Et j'ai l'impression que c'est Greppel qui est dans ma roue. Eh ben oui, Greppel il a quitté son train de sprint. Et il est en train de tomber sur la gueule de mon maillot jaune, j'ai l'impression. Non, c'est bon. 1,8 km, ça va pas tarder à partir. Donc là on est bien. Oui, j'ai oublié de vous préciser, Cavendish est en vert. Il l'a gagné hier sur son. Bah, sur la victoire d'étape. Avec l'arrivée à Rouen. Donc du coup il est passé devant Fréré. Allez, 1,3 km. Bon, je peux même faire comme la dernière fois là. On va quand même y aller à fond. Tant pis pour Boisson. Oh attendez, je vais essayer un train de sprint. Ah bah non, en fait ça marche pas. Allez, 500 mètres, on y va. Oh là là, il sprint bizarrement là. Cavendish, il sprint bizarrement. Hein. Ah, je crois que c'est parce que j'ai bouffé un kiwi avant. Ah, c'est bon. Oui, c'est bon. Victoire de Cavendish. Chris Froome, 15e. Vossenhagen, 18e. En fait, ça a pas marché l'histoire du train de sprint. Ça m'a fait n'importe quoi. Bon, on s'en fout. On s'en fout. On a gagné, c'est ça l'important. Même si vous allez me dire que c'est de participer. Gagner, c'est toujours mieux. Donc, Bradley Wiggins qui perd pas de temps non plus. La montagne, pas de points à prendre. Le sprint, Cavendish, encore une moisson avec 51 points. Vossenhagen, bah avec tout le monde pour les jeunes. Enfin, Kittel qui remporte l'étape. Pour les jeunes, et l'équipe, c'est la Sky qui remporte encore l'étape. Donc la Sky, toujours deuxième équipe derrière BMC qui est à 23 longueurs. TJ Vanguarderen, toujours maillot blanc avec 44 secondes d'avance sur Pinot, 1,05 sur Vichot, 1,22 et 2,31 pour Boissenhagen et Uran. Cavendish, du coup, qui passe officiellement maillot vert avec 158 points. Froome, deuxième avec 127, ça fait un beau doublé. Oscar Fréré, 3e. Je l'ai jamais vu aussi bon, Fréré, là. Chris Froome, toujours maillot à poids, pardon. Et toujours maillot jaune, avec 31 secondes d'avance sur Valverde, 36 sur Sanchez, 38 sur Wiggins, et 42 sur l'ami Philippe Gilbert. Donc on se retrouve demain pour l'étape entre Épernay et Metz, avant la fameuse planche des belles filles. Ah, salut.